Le matériel de l'alpiniste. Corde, le piolet, médicaments pour le cœur. Mon garçon, escalade pas cette montagne-là! Tu vas mourir là-haut, exactement comme ça m'est arrivé! Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as escaladé? Ben oui, c'était durant l'hiver de 1928. La compagnie de crêpes Baba m'a parrainé, moi et un dénommé McAllister. On était presque rendu au sommet quand on s'est rendu compte qu'il nous restait presque plus de provisions. Fait que comme d'habitude, je me suis sacrifié puis j'y ai donné dernière crêpe. Et là, le maudit cochon, il a pris la provision puis il s'est dirigé tout seul vers le sommet. Hey! Puis je me suis écrasé, c'est un tas de pierres après être tombé de 3000 mètres. Faut dire qu'on est à fait fort dans ce temps-là, mon petit gars. Je suis allé danser le jitterbug le soir même. Mais les coeurants de McAllister, c'est jamais remontré à la fraise. Il a disparu. Si t'essayes de me faire peur, ça marche pas. Je suis concentré comme je l'ai jamais été, alors perds pas ton temps. Hey, mon chapeau, il y a des oreilles. Oh, ben au moins je mourrai pas gelé. Dernière entrée. J'ai escaladé le plus haut que j'ai pu, mais le pic est inatteignable. Pire encore, l'être le plus déloyal, Abe Simpson, m'a volé mon oxygène et a essayé de me manger le bras gauche. On part. Dites à ma très chère femme que mes dernières pensées sont à ce dégoûtant et maltraitant Abe Simpson. Salut à tous. Oh, mon père est un déshonneur, comme le père de Bartley. Mouais! C'est peut-être pas le sommet, mais c'est aussi proche qu'un Simpson aura réussi à s'y rendre. Ça, c'est pour toi, mon gars. Rendu au sommet. J'ai vraiment réussi. J'ai escaladé la montagne vierge. Saluez-moi, bien bas, messieurs, tout le monde, car je suis votre roi! Famille Appa! Famille Appa! Réponds pas! Ah, je pense bien qu'il est mort, fillette. Tiens, une barre de compote énergique. La maison te l'offre. Hé, hey, il y a quelque chose qui descend la montagne. Oh non! Il est tombé, je peux pas regarder. Ah! Allô? Oh, mère, t'es vivant, chérie. Oh, Marge, j'étais certain que tu me reverrais jamais. Mais veux-tu me dire où t'as trouvé un traîneau au sommet de... Non! Il est trop tard. Il est mort. Hein? On dirait que quelqu'un a voulu le manger. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Vous êtes complètement cinglé. Vous êtes cinglé comme... OK. Je vais vous dire comment est-ce que je pense que ça s'est passé.